mets pas derrière le mec, là. Non, là, parce que... Là, tu vas te faire engueuler, ils peuvent sortir. Non, non, mais t'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Je vais tout filer dans la... Et les poubelles, ils sont pas encore passés. Alors, faut faire de choses à cette petite... Les machines vont être mieux que je l'ai. Et ça, son petit poêle n'est pas ouvert. Oh. J'ai pas laissé. Où est ma clé? Tu l'as pas fait tous les ordures. Regarde. Vous voulez pas essayer de m'aider à ouvrir, là j'y arrive pas. Vous voulez mettre quelque chose dedans? Non, non, mais là je peux pas, c'est tout plein. Non, c'est parce que j'ai laissé les clés. Ça fait rien, non, non, ça fait rien. Ouais, elle est fermée. Ouais. Putain. Tu sais ce que tu fais? Bien, tu me la tiens derrière et moi je vais là. Mais que comment je suis pas. Mais j'en sais rien, moi. Je peux pas s'ouvrir comme ça. Comment tu veux que je sache? Oh, bordel. Heureusement qu'on est parti avant. Et tu sais pourquoi? Parce que l'autre jour, il y a un mec devant chez moi, il a laissé sa voiture avec les clés dessus. Le mec, il y a un mec qui est passé, il est parti avec. Tiens, j'aimerais... Attends, non, voilà. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a qui fait ce bruit? Bordel, mais c'est pas possible. Comment ça se fait? Et comment tu veux, je sais. Comment ça se fait que ça se coince? Mais... C'est là où c'est coincé. Tu crois? Oui, je crois. Faut que ça se soulève un peu. Bordel de merde. Attends, je vois. Je vais... Attends, je reviens. Comment? On peut pas démarrer. On a foutu des trucs dans la boîte à ordures et on a douché les clés dedans. Vous êtes sûr que les clés sont pas dans la voiture? Ah non, parce que... Regardez, vous pensez bien qu'on n'est pas en train de faire le con pour s'amuser, hein? Non, bon. Demandez-moi pourquoi ça s'ouvre pas, ça. Bah, je sais pas, moi, elle est peut-être coincée. C'est... Vous êtes sûr que les clés, elles sont dans la... Monsieur, on a jeté des papiers qui étaient dans la voiture et on ne retrouve plus les clés. Alors, ma camarade a cherché là-dedans, partout. Non, mais elle a un sac à main, votre vie. Non, non, elle n'avait pas de sac à main. Elle a des poches, peut-être, non, sont dans les poches. On a regardé. On n'est pas cons, on a regardé. Bah non, mais je sais pas, vous dites rien. Ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Voilà. On va ameuter toute la rue, il n'y en a pas un qui descendra pour vous dire comment ça s'arrange. Ah ben ça c'est... Il se marre, au contraire, bah, distrayez-vous, amusez-vous. Bah. Ça les changera plus, ils vont tellement chier dans la vie que ça sera très bien. À part de faire des mômes, c'est tout ce qui s'attendait, alors... Et encore, pas toujours réussi. Ça, je comprends pas, qu'est-ce que c'est qui peut coincer ça là-dedans, ça c'est pas possible. Bah, vous savez, ça arrive. Hein. La preuve, c'est qu'il y a même des gens qui perdent leurs clés dans les poubelles. Donc c'est pas... Il y a tout ce qui arrive, monsieur. Il y a même des cons qui font des enfants toute la journée. Eh oui. Bah voilà. Oui, hein. Ça arrive aussi. Bon, bah écoutez, moi, j'ai pas que ça à faire, ma petite dame. Moi non dame, plus, monsieur, hein. Je peux rien faire. Alors, je peux pas vous pousser votre voiture, vous allez pas me faire chier. C'est pas le moment, hein. On se calme. Oui, on se calme. Hein, me cassez pas les couilles, je vous le dis. Ah, mais je suis pas là pour ça, hein, d'ailleurs. C'est bon. Bon. Vous m'excuserez, je vais téléphoner. Téléphonez. Moi, j'en ai pour 5 minutes. Maintenant, votre caisse, vous la virez de là, ok? C'est bon. Téléphonez. Ouais, bah ouais, ouais. Justement, je vais appeler les flics. Ça vous occupera. Au lieu de faire des gosses, je vais appeler les flics, moi. Bah, vous devez faire des gros cons, je vous le dis. Tant mieux pour moi, tant pis pour vous. Putain, c'est pas vrai, hein. Monsieur, s'il vous plaît, on est en train d'appeler. Oui, monsieur, je vous explique. Nous sommes descendus de la voiture pour mettre un papier dans la boîte à ordures. Oui. Et en mettant le papier dans la boîte à ordures, ma camarade a mis les clés. Elle est où, votre camarade? Elle arrive. Non, mais on ne peut plus ouvrir la boîte à ordures, sinon on prendrait les clés, on s'en irait.
Non, mais alors, vous pouvez si pas vous... rester là. Hein. Mais je sais bien, monsieur, que je peux pas rester là. Il y avait des places. Je vais pas porter la clé. Vous pouvez vous garer ici. Hein. Donc, vous voulez pas essayer de voir je si vous verbalise. Faire ça. Vous pouvez verbaliser, allez-y, ça fait rien. Ça occupe, ça rapporte du pognon, c'est bien. Ce que vous pourriez, c'est essayer d'ouvrir la boîte d'ordures, si vous pouviez. Mais c'est pas mon problème, madame. Ah, bah moi non plus, c'est pas le mien. S'il y a des boîtes d'ordures à la con, c'est pas la seule, bah... c'est pas ta faute. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'ouvre pas une boîte à ordures. Ça, c'est... Une boîte à ordures, ça s'ouvre très facilement, hein. Oui, et ben alors faites-le, monsieur. De... Vous me rendrez service, faites-le. Je vous ai dit, ce n'est pas mon problème, madame. Oui, mais c'est pas madame. Votre problème, alors dites-moi, hein, des conneries. Dites pas que ça s'ouvre facilement. Venez voir, tenez. Soulevez-la, voilà. Pensez bien que je suis pas là pour m'amuser. On prendra des clés sans les trouver. Voilà. Merci. Pardon. Et vous bougez pas la boîte à ordures. Vous voulez pas y toucher. Ce n'est pas mon problème. Mais putain, votre problème, il est quoi? Ce n'est pas mon problème. Au revoir, madame. Au revoir. Vous êtes déposé en douille, va. Ça, c'est votre problème. Quel con, alors. Bon. J'ai déjà vu des cons, mais autant que ça, j'en ai jamais vu, hein. Monsieur, s'il vous plaît. Là, ça. Ça fait tomber. On a fait tomber, monsieur, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On a fait tomber des clés dans cette boîte à ordures, les clés de voiture. On est en train d'emmerder tout le monde parce qu'on ne peut pas sortir, mais on ne peut pas ouvrir la boîte. Pourquoi vous avez fait ça? Bah, on ne l'a pas fait exprès, c'est glissé dedans. En jetant des ordures qui étaient là-dedans, c'est glissé. Les clés sont dedans. Attendez, expliquez-moi. Est-ce que vous nous faites de la compétition? Vous ramassez les ordures dans votre voiture et vous voulez... Monsieur, je ne fais pas de la compétition. J'avais quelque chose de sale d'un bébé dans la voiture. On est passé là-dedans. Il y a un bébé dans la... Mais non, monsieur. Nom de Dieu, mettez pas de la mauvaise volonté. Je vous explique. On avait un papier à jeter dans la boîte à ordures. Là, on l'a jeté. En le mettant, il y a les clés de voiture qui ont glissé. Ah bon, alors, non, donc elles sont là. Voilà, alors vous ouvrez on là. Peut, on peut pas. Je comprends pas là. Moi non plus. Alors, ce que je voudrais pas, c'est que vous foutiez les ordures dans votre poubelle avec les clés. Parce que là, on pourrait plus sortir. Bah, écoutez, je suis là pour ça. Je sais, monsieur, bien d'accord, mais essayez d'ouvrir la boîte là. Vous voulez m'aider? Alors moi, je peux pas vous aider d'une grande secours. Hein. Non. Non, mais c'est coincé. Comment vous avez fait ça? Montrez-moi. Comment vous faites? Vous jetez un machin à papier et en même temps vous avez les clés qui ont glissé. Comment vous faites? Ça vous est jamais arrivé? Mais non, moi je les vide. Je vide. Mais vous me prenez pour un con ou quoi? Mais non, est-ce que j'ai dit ça? Bon non, mais vous avez l'air de me prendre pour un con. Je sais que vous videz les ordures. Ce que je vous demande, c'est de pas vider celle-là parce qu'il y a les clés de la voiture dedans. Ouais, ouais, je comprends. Et d'essayer de l'ouvrir. Mais j'ai essayé. Mais voilà, j'ai... eh ben on peut pas l'ouvrir. Ouais. Mais moi, il faut que je vide... Eh ben, videz vos ordures, monsieur. Et celle-là aussi. Bah non, comment vous allez la vider? Pourquoi vous voulez la vider spécialement, puisque je vous dis qu'il y a des clés? Parce qu'il faut que je ramasse les ordures. Mais oui, monsieur. Oh, putain, merde. Oh, mais dis faut... donc, on a notre pays, hein. Mais il faut que je vide les ordures, mais moi. Oui, monsieur, vous viderez vos ordures. Oui, oui, attention, là. J'ai besoin des ordures, moi. Non, oh, non, oui, mais attention, on n'arrive pas à l'ouvrir, j'ai mes clés dedans. Je viens de lui dire, il veut pas comprendre. Il y a un flic qui t'a foutu une contravention. Tous les autres qui se marrent, c'est les vrais cons. Bon, bon, alors, écoutez, vous me dites que... on peut pas l'ouvrir. Monsieur, voilà. En sortant de la voiture, mon ami avait un paquet à mettre dans les ordures. On a vu une boîte à ordures. Oui. Elle les a mis dedans. Et dedans, les clés de la voiture ont glissé. Voilà. Depuis, on essaye d'ouvrir ça, on ne peut pas y arriver. Alors ça, on ne peut pas le mettre dans le camion, ok? Mais il faut cependant vérifier si les clés sont dedans. Oui, je ne peux pas l'ouvrir. Il l'a bloqué. Mais non, mais il n'est pas bloqué. Fermé. C'est pas bloqué, monsieur. C'est moi qui ai fermé le couvercle. Mais si vous avez appuyé fortement... On n'a pas appuyé, monsieur. On n'est pas demeuré. On a acheté un papier, ça s'est coincé. C'est bon, tout. Parfait. J'ai jamais vu ça. Dis donc. Attends, non, mais je n'avais pas sûr. Vous pouvez m'aider à forcer? Prenez votre poing, si... Attends, parce que Jackie, elle bon, allez, allons-y.
vous avouerez quand même que c'est comique, hein. Ouais, mais enfin, c'est... Moi, je trouve pas, parce que là, c'est un problème, parce que, vous savez, ça entache beaucoup la réputation de la propriété de Paris. Oh, que... monsieur... Ah oui, que les plus belles... La réputation de Paris va pas être entachée, parce qu'à 2h de l'après-midi, les boîtes ordures étaient pas faites, étaient pas... Enlevées, absolument. Elles étaient pas enlevées tout à l'heure, c'est pas en 10 minutes non, de plus. Non, je sais. Bon, vous savez, si on peut plus fouiller dans les poubelles pour trouver des choses importantes... Oh, non, pas importante, là, c'est la quand même la clé, hein. C'est la clé, c'est ça, mais... Bon, ben... Tu parles, c'est pour des boulons, quoi. Monsieur, vous êtes gentil. Bon. On n'arrive pas à ouvrir. C'est... Vous l'avez trouvé où? C'est ça. Dis donc, ça, c'est une surprise, alors. Non, je comprends pas, là. Attendez, attendez. Vous l'avez trouvé où, la clé, monsieur? C'était au coin de rue, de l'autre côté, place Saint-Ferdinand. J'ai rencontré madame. Elle m'a donné sa clé. Alors, c'est ça, même si vous arrivez pour une chance de prise sur lui. Ah bon, c'est très bien. Ah, ça, ça le vient. Je l'ai insulté, le mec de pique, c'était un con. Voilà, c'est bien fait, monsieur. Tu m'en vas pas? Non, je m'en fous, ça me régale.